En seulement 24 heures de temps, Premier ministre Ariel Henry fait ça un paquet d'organisations et partis politiques tap essayé faire pendant une année. La primature, bon côté parle, sorti une note pour faire connaître que Premier ministre Ariel Henry te recevoir une quantité innombrable d'appels, jouté assassiné ancien président républicain Jovenel Moïse, la Kaline appelle 5. Et nous tous nous rappelons nos dates là. C'était dans la 8-6 pour rentrer 7 juillet 2021. C'était démocratique et populaire dans une conférence de presse hier jeudi 16 septembre 2021 pour lui vanter tête de quelques exploits et surtout raconter population haïtienne pour qu'il ait même décidé de signer un accord monocéphale Ariel Henry. Premier ministre Ariel Henry lui-même bon côté parle décide d'installer ministre justice li hier jeudi 16 septembre 2021 alors que juge Renoir registre lui-même li décide de retirer col non justice haïtienne et puis devant nous gen coronavirus qui vient vraiment tourner yo malin plantier sous tête pays d'Haïti puisque yo découvri de nouveaux variants qui vraiment dangereux actuellement là qui sous sol là. C'est toute information ça ou avec divers lots qui pourraient faire essentiel actualité nous pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la rubrique information ça. Ou même qui fait que tu es sur la chaîne, pour abonner. Et ou même qui t'a déjà abonné, déjà, demande pour continuer like, commenter, partager. Yon façon ou kade nous chercher puis bon information pour toujours. Pas oublier si vous abonnez ou si vous cliquez sur la cloche de notification, yon manière pour ne pas perdre du pièce l'autre vidéo qui est pour venir là. En seulement 24 heures de temps, Premier ministre Ariel Henry fait. Ça, on pas qu'être l'autre monde tap essayé faire pendant yon l'année. Selon moun sa yo, Rockefeller Vincent, Renal Luberis, c'est des moun qui tap travail de façon de facto, puisque contrat yo te getan fini, ensemble avec tout mandat ancien président républicain Jovenel Moïse. Et bien, Premier ministre Ariel Henry lui-même, en 24 heures de temps, il révoque Rockefeller Vincent, il révoque Renal Luberis et il révoque commissaire Claude Belfolin, qui te composé normalement. Elle dure ancien président républicain Jovenel Moïse. N'a pas rappelé que gros paquet moun qui t'a essayé goumé pour essayer détruit mais on ti plume yo pas arrivé retirer sous elle dure ça que ancien président lui-même il était arrivé composé. Rockefeller Vincent lui-même quitté ministère justice là ensemble avec le sentiment du devoir accompli puisque gion paquet travail li te getan arrivé fait déjà mais ça pas empêcher le continuement de justice pour ancien président républicain Jovenel Moïse qui donc Premier ministre Ariel Henry qui t'a pas cherché un petit goutte d'eau dans désert réussi arrivé jeune petit goutte d'eau ça elle vient kounya à comporter comme étant le seul capitaine du bateau et c'est lui-même qui t'a vint déclaré tête li comme nouveau après Dieu puisque nous connaissons Jean-président Jovenel Moïse même déjà li t'a pas dirigé pays d'Haïti c'est par décret et c'est celle lui-même qui te gain pour te dire oui ou non et bien ça lui-même il a réalisé ou pas en dans pays d'Haïti c'était démocratique et populaire lui-même bon côté parle kounya là a vanté tête li pour faire connaître que c'est eux même qui fait révoquer Rockefeller Vincent Renal Luberis avec Claude Bedford puisque moun sa yo c'était des entraves ensemble avec la justice qui donc yo te mérité puis on te ka jwenn révocation pa yo. C'est démocratique à populaire là lui-même tout dit fait connait que yo pas genre de secteur qui pral cacher en bas table puis a signé accord. Yo chita sous table avec Premier ministre Ariel Henry, tout moun wè ki sa ki passé et ben yo signé accord si là alors que gen quelques moun qui après les Ariel Henry dans 2h 3h du matin, yo manière puis yo ka mande poste ministériel et aussi puis yo capable signer accord si là. Ki donc à moment là, secteur démocratique ak populaire là lui-même, li vraiment dédoublé par rapport ensemble avec politique haïtienne. N'a pas suivre Jean ça t'est passé. Yo pas négocier pour militants yo connaît. C'est très démocratique populaire. Nous signons un accord politique qui a une revendication peuple là-dedans. Politique bizarre. Cet accord, ouais,
Là, nous finissons signer accord politique la samedi passé dans primature. Là, nous prenons la parole, nous disons nous signons accord politique. Là, parce que c'est très démocratique et populaire. Nous n'en transparons pas. Pas rien à faire en bataille. Les sénateurs cassent ce deal là. Si nous mettons dans le gouvernement, dans le petit peuple là, mais qui est là? SDP, pas de négociation en bataille. Tout ça que vous faites, vous faites sous transparence. Peuple là, fait secteur démocratique et populaire confiance. Nous c'est le seul groupe qui n'a transparence avec nous. Ma chère, vous êtes là, vous parlez midi, soir, blablabla, pour le minuit, nous avons toujours carré. Pour 2h du matin, Alvéo, il faut sortir la machine de carrière. Il faut négocier des avantages personnels. Nous n'avons pas rien de transparence. Nous-mêmes, nous avons battu avec transparence. Nous n'entendons pas les deux mal occupés. Je dis, pour qui ça, le secteur démocratique et populaire, s'il y a un accord politique 11 septembre 2021 avec M. Ariel Henry. Nous signons un accord politique, ça. Nous signons un accord parce que revendication du peuple là-dedans. Nous signons un accord parce que dans l'accord politique, ça l'est dit. Nous avons monté ensemble un gouvernement de consensus et nous dit, conseil du monde, SDP, pas d'accord pour le gouvernement. Voilà, puis devant, secteur démocratique et populaire lui-même, il fait connaître pour qui raison exactement que décide de signer accord politique Premier ministre Ariel Henry, puisque c'est là même, c'est un accord politique qui inclut toute partie qui dans société civile là, et c'est un accord politique qui pral aider population haïtienne lui-même li avancer n'a pas attendé pour accord politique ça parce que nous dit l'accord ça paysan yo a représenté dans conseil électoral la presse a représenté dans conseil électoral et le monde qui dit faut que la presse pas là nous dit faut que la presse là. Nous signons un accord politique ça parce que nous disons diaspora, il faut qu'il participe dans le conseil électoral. Ça veut dire, mais deuxième raison qui fait nous signer un accord politique là, que tout ça, il y a un accord politique. Accord politique là, il y a libération des prisonniers politiques là-dedans. Accord politique là, il y a une conférence nationale là. Accord politique nous signons. Après l'Assemblée constituante qui vous fait débat sur le conseil. Oh, oui, à quoi politique ça la permet que nous commençons à écraser le système là. Parce que de pour moi, il y a une constitution. J'en dois moyen, ou après le système. Mais ça qui est SDP. Quand on y a parlé, SDP, Patiti et Patata, mais nous sommes concrets dans le travail du peuple. Nous signons un accord politique ça parce que l'accord politique l'a dit, il faut qu'il y ait sécurité dans le pays, il faut nous craser les gangs, tout le gang, il faut nous craser. Et pour cellule qui va travailler, nous craser tout le gang dans le quartier populaire, dans tout le pays. L'accord politique l'a dit, après un audit qu'a fait dans toute boîte d'État. Yeah. 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 Yeah.
quantité de pièces. Vous allez devant la justice. Mais ça qui est SDPA. Nous signons encore politique ça. Parce que dans l'accord politique, ça nous dit, pour ces massacres à Saline, belle et cité soleil des matins 2, pour ces saillots, il y a avancé. L'accord politique l'a dit directement. Dans l'accord politique, là nous dit, dossier Petro-Caribé, comme pour ces saillots, avancé. Dans l'accord politique, là nous dit, dossier assassinat, bâtonnier d'Orval, dossier ça l'a pas avancé. Parce que nous tous connaissons, c'est Jovenel Moïse qui était bloqué, avancement dossier, enquête. Soit assassinat par Tony Dorval. Et nous tous nous connaissons, PHTK fait 10 ans de crasse le pays. Avec tout Jovenel. Nous crasse toutes les institutions. Nous signons encore politique ça. Nous mettons en bas de monde. Nous dans l'État. Petro-Caribé. Nous signons encore politique là avec vous parce que tout le monde connaît son médecin. Mais attention, SDP pas pour cadeau. SDP, la peuple là dans la rue, vous parlez de SDP. Oui, et dans la cabine là, la bonne délégation avocat qui a répondu au commissaire du gouvernement de l'opération. Nous capables de faciliter la libération de prisonniers politiques. Oui, oui, oui. Délégation qui a rencontré et mon ministre a dit la justice, la monsieur Guider, même si sont dit dans le monde de la paix, parce que nous allons commencer à agir pour nous joindre libération. Alors, ça pour nous comprendre, mon cap attaque SDPO. Nous avons passé sur nos peuples et à leur pouvoir. Parce qu'il y a un projet politique. Projet politique, c'était prendre transition. Un gouvernement de transition. Mettez président, mettez premier ministre, mettez ministre. Après ça, vous faites plateforme politique. Vous allez à l'élection et puis mettez le peuple là-dedans. Vous avez chance pour vous. SDP ou un jouet. Vous avez parié, vous avez parlé, vous avez viré, vous avez blablabla. SDP ou un jouet. Nous ne pouvons pas quitter ou mettre le peuple là-dedans. Je dis à peuple ici, vous devez comprendre. Bataille politique qui sont faites là. Ou ouais, peuple haïtien, qui qualité engagement SDP, secteur démocratique et populaire dans la dent. Moun qui est en prison sous compte SDP. Moun qui mourit sous compte SDP. Moun qui blessé sous compte SDP. Je dis à nous, doué ben à maison, bonne l'argent, nous pas qu'à des vies. Mais, comment on arrive, il y a négocié, discuté, il y a fait conseil électoral, il y a moun qui dit, mettez le peuple là-dedans, oui. Il y a un pouvoir. Moun ça y a un nous pour un imbécile. Je pense que c'est égaré, je ne pas comprendre rien. Alors, dernier bagaille, ma petite. Accord politique, ça, il faut le rester ouvert. Nous voulons un accord inclusif. Nous ne devons pas mettre aucun groupe monde dehors dans la gestion pays. Et si vous voulez. Et ça fait moins encourager. Sans mis nos frères, nous, qui s'y a comme Montana, allez signer un accord politique en septembre 2021. Allez signer un accord politique en septembre 2021. Allez signer avec le peuple là. Quoi? Nous pas besoin. Nous pas besoin de discussion. Nous sommes frères, nous sommes sœurs. Nous pas besoin de 50 accords. Pas de 50 accords qui ont passé. 100 millions, frères, millions, sœurs, millions, qui n'ont pas encore Montana. Accord 11 septembre 2021,
aller si à ça. Si à quoi peuple là. L'autre monde qui dans l'autre accord. Allez si à ça. Nous dans diaspora, si à quoi ça. Mais il n'y a pas besoin de 50 accords. Et pour nous 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 accords, vous tombez dans l'accord. Son seul accord qui doit gagner. Inclusive, c'est accord 11 septembre 2021, accord peuple là, c'est plein démocratique là, si rien avec un bon lobby. Alors, clair, ça qui est passé en 2004 là, pas passé en 2021. En 2004, vous songez ça, des jeunes garçons politiques, moi ouais, j'ai une série de monde de pouvoir, dans mes militants qui viennent là. Je viens de faire ça encore en 2021. Ça n'est pas possible. Ça va passer. Vous avez joué une pierre en 2004, vous ne pouvez pas jouer là. Vous avez dit. Peuple là, clair, je dis, il y a pas de monde qui a fait peuple là. D'ailleurs, la politique. Tout le monde, on nous fait l'unité, on nous fait réconciliation nationale. On nous fait seul, on nous signe encore 11 septembre 2021. On nous signe encore peuple là. On nous travaille ensemble pour nous faire un gouvernement. On nous travaille ensemble pour nous faire un conseil électoral. On nous travaille ensemble pour nous mettre sécurité dans le pays. On nous travaille ensemble pour faire la conférence nationale. On nous travaille ensemble pour nous manier la constitution. On nous travaille ensemble pour nous mettre l'ordre dans la gestion de l'État. On nous travaille ensemble pour nous faire le procès à Petro-Calibé. Pour nous faire le procès à Massacre à Saline. Belle ainsi de soleil de Matende. On nous travaille ensemble pour nous changer le pays. D'Haïti, nous c'est pays nous, et nous saluons tout le monde qui a accepté signer accord 11 septembre 2021. Accord peuple là, en pile monde signé, en pile diaspora signé, nous demandons tout le monde signer accord ça. Je nous dis là, SDP a continué à porter vos revendications. Ou même capable de la SDP ou mettre suspend, pour pas prendre aucun résultat dans ça. Voilà, qui donc secteur démocratique et populaire lui-même, l'Igret a montré peuple haïtien. Qui souligne ni campé. Kounya la, c'est pral décision peuple si la pour li konnen est-ce que oui ou non li a continué suivre secteur démocratique ak populaire là nan route sa que li même li commencé prend déjà. Puis devant nous gen la primature qui sorti une note pour li faire konnen que Premier ministre Ariel Henry te recevoir un paquet appel nan jour qui était 7 juillet 2021 jour te assassiné ancien président républicain Jovenel Moïse. La plupart de ces appels, ce sont des personnes qui tapent inquiété pour Premier ministre Ariel Henry, puisque yo te fait nommer, donc te besoin qu'on est, est-ce que li en sécurité, est-ce que la ville pas en danger? Si c'est pas trop le téléphonique, eh bien Premier ministre la connaît qui quantité de personnes qui te relè la jour là. Qui donc, yo pas connaît est-ce que oui ou non, Premier ministre lui-même était arrivé parler ensemble avec fugitif là, Joseph Félix Badio, nan jou assassinat ancien président républicain Jovenel Moïse. Mais yo pas écarté tout la possibilité que oui, eh bien Ariel Henry lui-même, li ta ka gagné une conversation ensemble avec Joseph Félix Badio. Premier ministre Ariel Henry continue à déposer pion, continue à déposer pierre, yon façon pour li ka bâti fondation gouvernement li. Et bien après que te fin révoqué Rockefeller Vincent, li nomme Lise Kitel qui se ministre intérieur comme ministre AI Justice en de pays d'Haïti et c'est hier jeudi 16 septembre 2021 que installation Lise Kitel lui-même li te arrivé faite. Et bien n'a bon suivre qui j'en sa te passé et puis n'a tourné. Monsieur le secrétaire général du Conseil des ministres, Monsieur le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le commandant en chef des forces de police, le directeur général de la police, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police, Monsieur le directeur et Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère, Mesdames et Messieurs, la force des choses m'amène aujourd'hui au ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour y assurer l'intérim, en ma qualité de ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales. Je prends l'occasion de remercier le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, de la confiance placée en moi. Nous vivons des temps difficiles, avec des besoins pressants de justice et de sécurité. Justice pour tous ceux qui sont assassinés,
notamment le président de la République, Monsieur Son Excellence Jovenel Moïse, le bâtonnier d'Orval, des journalistes et bien d'autres citoyennes et citoyens. Justice dans le cadre de la lutte contre la corruption. Justice pour tous, tous ceux qui sont en prison pour toutes sortes de raisons, mais sans possibilité de voir leur juge naturel, encore moins de bénéficier d'un procès équitable dans les délais prévus par la loi. Une justice fonctionnelle qui travaille en permanence, sans interruption, à l'abri de toute politisation et d'arrêt du travail intempestif. La sécurité demeure, dans ce cadre, le dossier prioritaire pour lequel tout doit être mis en œuvre afin de satisfaire le droit fonctionnel, le droit fondamental, le premier des droits, et qui est une demande forte et urgente de la population, afin de faciliter la sûreté des institutions et des personnes. Cette sécurité qui doit permettre à chacun de circuler sans entrave, de vaquer à ses occupations sans crainte pour sa vie et ses biens. Mesdames et messieurs, vous donnez à l'État son sens et son autorité pour des services publics à la population, c'est le pari d'aujourd'hui, celui que de tout dirigeant et des citoyens conscients, militants du développement et intégral de l'État, du développement intégral de l'État et du règne de la loi. Pour cela, il nous faut donc travailler ensemble, sans relâche et avec intelligence, avec le concours de tous pour atteindre de tels objectifs. Au gouvernement, nous sommes conscients des défis et des enjeux. C'est pourquoi nous inscrivons dans la démarche de créer les conditions d'une gouvernance publique apaisée à l'effet de parvenir à redresser la barre d'une république souveraine. Il n'y a plus de place pour la distraction, pour les diversions, pour la confusion et les luttes mesquines et intestines. La population attend de nous que nous nous mettions au travail, tout de suite. Dans cette quête, la loi doit reprendre ses droits et nous guider dans la recherche de solutions viables et durables. C'est donc dans cette voie que je m'engage de grand intérêt. Je souhaite pouvoir créer la voie au redressement de nos institutions. Nous devons établir cette nécessaire cohérence et d'harmonie entre les pouvoirs judiciaires et le pouvoir exécutif qui sont tous deux impliqués dans la gestion de la justice et concourent à asseoir l'ordre public. Mais aussi, nous devons responsabiliser les autorités locales, les renforcer et les habituer, les habiliter à assumer leur première tâche qui est celle de garantir la sécurité de leur population. Mesdames et messieurs, la tâche est immense. Il faudrait toute la journée pour pouvoir en parler en profondeur. Mais s'il fallait un peu de mots résumer les priorités du mouvement, on dirait combattre la détention préventive prolongée, combattre la criminalité contre les phénomènes et combattre le phénomène des grandes armées, faciliter un environnement apaisé en vue de la libre circulation des personnes et des biens, renforcer l'image des forces de police. Mesdames et messieurs, il y a une trentaine d'années, le candidat à la présidence de la République, Marc Bazin, disait que notre pays avait trois priorités. L'agriculture. Pour le paraphraser, je dirais que Haïti aujourd'hui a trois priorités. La sécurité. Deux ministères sont responsables de la sécurité nationale, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et celui de la justice et de la sécurité publique. Et les deux institutions sont désormais placées sous ma responsabilité. Je ne sous-estime point l'étendue des responsabilités placées sous mes épaules. Je demande à Dieu la force et la sagesse de les assumer sans arrogance, mais également sans crainte. Monsieur le représentant du Premier ministre, distingués collègues, je m'efforcerai jusqu'au bout de justifier a posteriori la confiance que vous avez placée en moi a priori. Alors encore une fois, je vous dis merci. Voilà qui donc actuellement là pays d'Haïti lui-même li gagné un nouveau ministre justice qui c'est aussi ministre intérieur ak collectivité territoriale.
Juge Renaud registre qui tape travail sous dossier assassinat maître Montferrier d'Ovala et me décide de retirer col li lague piel li pas de cause justice haïtienne encore puisque li arrive remettre démission. N'a pas rappelé que avant que li te remette démission, et me juge Renaud registre te obligé quitter pays puisque selon lui même li tape recevoir des menaces et li te déposé tout doucement dossier assassinat bâtonnier de l'ordre Port-au-Prince maître Montferrier d'Ovala. Voilà qui donc actuellement là dossier si là li pou konn nan pièce juge à part juge Gary Aurélien lui-même qui continue à travailler là yo manière pour li ka instruire dossier assassinat ancien président République là Jovenel Moïse pendant que partisans ak sympathisants ancien président République là commencé former un bloc là et rassembler un mouvement qui porte non rassemblement des jovenelistes pour la démocratie yon manière pour ka pérenner idée ancien président République là mais aussi yon manière pour ka mande justice pour lui et aussi pour chaque grand monde qui arrivait tomber en babal bandit que jusqu'à présent yo poko ka arrivé identifier qui donc situation là li vraiment compliqué actuellement là en pays d'Haïti sous ça qui gen awe ensemble avec politique n'a pas rappelé nous toujours tout que actuellement la pays d'Haïti tourne yon bombe à retardement côté n'importe qui frappe ka cause li éclaté bandi exam insécurité continue à faire chiméo en dans pays d'Haïti côté ayer sous Matissan et bien bandi exam tenant affrontement ensemble avec la police et yon te arrivé même kidnapper plusieurs citoyens que bientôt yon arrivé bien heureusement libéré qui donc l'état haïtien lui-même li gagné pour lui prendre responsabilité en main puisque situation là li vraiment a perdu contrôle li situation insécurité a li même li vin prend on l'autre ampleur conséquence tremblement de terre la mort ancien président Jovenel Moïse nous gen Genève en famille et ali k'ap bay problème nous gen groupe armé au k'ap bay problème et surtout nous gen économie qui vraiment en perte de croissance qui donc situation nous a vin pi compliqué de jour en jour. Côté santé, coronavirus lui-même li prend une autre ampleur actuellement là en dans pays d'Haïti puisque arrivé découvre le ministère santé publique là deux nouveaux variants qui c'est variant MU ensemble avec Delta variant ça yo qui vraiment dangereux qui donc ministère santé publique lance une alerte ensemble avec la population haïtienne pour faire plus précaution par rapport ensemble avec maladie coronavirus et n'a rappelé que Delta ça lui-même avec MU li présente tout sous-sol République Dominicaine. C'est toute information ça aucun déporté pour aujourd'hui. Merci d'être continué à commenter, partager et merci d'être continué à inviter vos familles avec vos amis. Restez connectés avec TAC Info Plus pour avoir des bonnes informations. Nous vous rendez-vous pour une prochaine chasse rubrique ça. Restez bénis. Bye bye.